Salut salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Francis Ngannou et Tyson Fury vont bientôt s'affronter dans le cadre d'un combat de boxe. Dans une interview, Francis Ngannou a expliqué qu'il est possible qu'il combatte Tyson Fury d'ici juin ou juillet. En effet, ce qui retarde autant ce combat, c'est parce que Tyson Fury doit affronter Usyk d'ici le mois d'avril. Cependant, Francis Ngannou reste très confiant face à Tyson Fury et pense même qu'il peut le battre par KO. Comme vous le savez déjà, Francis Ngannou a quitté l'UFC et est désormais libre de tout contrat. Tyson Fury est un champion de boxe et il possède à son actif un palmarès impressionnant. En effet, Tyson Fury, c'est 34 combats pour 33 victoires, un match nul et aucune défaite depuis le début de sa carrière. Francis Ngannou a aussi un palmarès impressionnant. En effet, il compte à son actif 20 combats pour 17 victoires et 3 défaites. Ces deux combattants totalisent 36 KO, dont 24 KO pour Tyson Fury et 12 KO pour Francis Ngannou. Lorsqu'on observe les statistiques de ces deux combattants, on comprend pourquoi leur combat est très attendu. En observant aussi ces statistiques, on peut constater que Tyson Fury a un avantage et on peut penser que Tyson Fury sera vainqueur. Surtout que Tyson Fury a déjà l'avantage sur la taille et le poids. En effet, Tyson Fury c'est aussi 2,6 mètres de taille et un poids de 115 kg. Tandis que Francis Ngannou a une taille de 1,93 m et un poids de 113 kg. Cependant, Francis Ngannou n'a pas du tout peur. Et il a d'ailleurs envoyé un message à son futur adversaire Tyson Fury. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne en laissant des likes et en s'abonnant. Vous êtes déjà plus de 325 abonnés et ça fait vraiment plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de soutenir la chaîne à votre tour. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et en plus, ça ne vous prend même pas 2 secondes pour le faire. Donc si c'est fait, nous allons continuer. Voici ce que Francis Ngannou a déclaré à propos de Tyson Fury. À 100%, je pense pouvoir mettre KO Tyson Fury. Ce ne sera pas simple, mais c'est possible. Après une telle déclaration, on se demande bien ce qui peut rendre Francis Ngannou aussi confiant. Surtout qu'on sait que Tyson Fury n'a jamais perdu de combat. De toutes les façons, les négociations sont en cours pour les deux champions. Mais une chose est certaine, c'est que ce combat promet aussi d'être spécial pour Ngannou, qui n'a encore signé avec aucune organisation depuis son départ de l'UFC. Restez scotchés à vos écrans pour la suite, car je peux déjà vous dire que ce combat sera spectaculaire. Pensez-vous que Francis Ngannou peut battre Tyson Fury? Donnez vos opinions dans les commentaires. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à bénéficier de nos vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.